Yo tout le monde, Steiner. Aujourd'hui, on se retrouve sur une application pour gagner un petit peu d'argent, PayPal. Donc, l'application s'appelle Wizard of World. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un système de parrainage là-dessus. Donc, vous la prenez ou pas, je gagne absolument rien. Donc, c'est juste une application comme ça que je voulais vous montrer. Je vais regarder si peut-être que je gagne. Donc, oui, si je gagne quand même un petit peu quelque chose, j'en gagne pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Donc vous aurez bien entendu le lien que je vous mettrai dans la description. Vous vous inscrivez et tout et tout ça. Donc pour récupérer, c'est aller dans encaisser. Donc il nous faut 6000 brillance. Excusez-moi, pour avoir 5 dollars. Donc 5 dollars, ça fait à peu près, on va dire, en euros, 4 euros, 4 euros 20, 4 euros 50 par là. Bon, c'est toujours ça, c'est toujours 4 euros en plus, sans faire, enfin en prenant un petit peu du plaisir à jouer quoi. Donc voilà, donc c'est très simple, hein, là je suis level 17. C'est très simple, le but du jeu c'est de trouver, c'est une sorte de mot croisé, hein, donc celle, donc voilà, les, las, après là quoi d'autre, S. Ça, on peut bien sûr céder, hop, SALLE, donc SELL, non, S, non, SALL, non plus, donc on peut encore céder, donc SALE. Voilà, donc voilà, j'ai récupéré un petit peu de sous, donc là, on peut avoir deux cartes, voilà, un éclair. Et on est un petit peu limité. Donc là, quelques pubs, on est un petit peu limité dans le nombre de fois qu'on peut jouer par jour. Je crois que c'est 10 fois par jour pour gagner un petit peu d'argent. Donc à chaque niveau complété, donc on peut jouer 10 fois, donc on peut compléter 10 niveaux par jour si on est assez fort, si on a le temps. Parce que certains mots, voilà, c'est le début, donc c'est des mots qui sont, on va dire, 3 lettres, 2 lettres, et voire 5 lettres maximum. Après, je pense qu'à plus on augmente les niveaux, à plus ça va être un peu plus compliqué. Donc là, voilà, comme il dit, 0,66. Hop. Donc voilà, on quitte, je sais pas ce que ça fait. Donc voilà, 2 sur 10. Donc voilà, c'est vraiment une petite application que je voulais vous montrer. Elle est assez facile d'utilisation. Malheureusement, je n'ai pas de preuve de preuve PayPal. Hein. Je n'ai pas reçu des gains. Hein. J'en suis loin. Je suis à, comme on a pu voir dans encaissé, j'en suis très loin. Encaissé, j'en suis à 21 sur 6000. Donc, j'y joue pas tout le temps. C'est pas un jeu spécialement qui m'attire énormément. Et puis c'est un petit peu long. Après, c'est pour ceux qui ont une bonne mémoire. Ceux qui ont une bonne mémoire, qui sont un peu intelligents, on va dire, qui trouvent les mots très 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 rapidement. Hein. Donc, pam, 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 bam, hop, c'est fini. Ils ont trouvé tous les mots. Donc là, comme là, salle, sel, sel, salle, machin. Voilà, j'ai duré, on va tirer peut-être entre 30 et 40 minutes. 30 et 40 secondes, excusez-moi. Il y en a qui vont peut-être mettre 2 minutes à te trouver, il y en a qui vont utiliser tous les indices pour te trouver. Moi j'en ai utilisé 2, il y en a qui vont trouver ça en 15 secondes, enfin voilà, ça dépend des personnes, donc voilà, ça peut aller plus ou moins vite. J'ai pas de preuves malheureusement, j'aurais bien aimé en avoir, mais ce n'est pas le cas. Après on voit là, Gabriella a encaissé 50 dollars avec succès, donc je pense que ça doit être assez facile quand même à ce niveau-là. Donc après je pense qu'on peut avoir des tours, on a en plus de ça les bonus quotidiens, donc voilà, 50 le jour 3, 75, hop, un grand coffret cadeau, hop, là c'est quoi, on peut gagner encore un plus d'argent grâce à des jeux comme ça. Donc voilà, c'est le genre de jeux qui sont un petit peu gagnants grâce aux pubs, hein. Ils sont grâce aux pubs, ils sont de l'argent et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'offrir un petit peu d'argent. J'ai utilisé une autre application aussi qui pouvait gagner de l'argent, mais trop de pubs. On lance l'application, une pub. Ça nous met une sorte de page où c'est qu'on est obligé d'appuyer sur une croix. Obligatoirement, on est obligé d'avoir une pub. Donc on a déjà deux pubs rien qu'au lancer, sans commencer. On commence à jouer tranquille. Hop, on a des dollars à récupérer de ce qu'on n'a pas fait
de ce qu'on a fait quand on était hors ligne, donc pendant qu'on jouait pas pendant la nuit, tout ça. Hop, encore une pub. Donc trop facilement pub, c'est pas assez rentable. C'est vraiment une perte de temps. Et puis voilà, j'ai préféré ne pas vous proposer cette application complètement merdique. De quoi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez réussir à avoir le quota qu'il vous faut pour demander le paiement. Et puis n'hésitez pas à aller sur mon Discord, me partager votre preuve de paiement pour vos collègues qui me regardent. Hein, donc voilà. Tchuss et à bientôt.